Salut les chatons, c'est Iron. Ah, vous m'avez manqué hein, depuis mes dernières vidéos troll sur Bazookam. Mais j'en avais marre de voir des monsieur tout nus dessus, ça m'avait trop choqué. Je vous jure, j'étais à deux doigts de consulter un psychiatre. Un psychiatre. Mon maître, il est où? Attendez, il est où ce petit chaton fragile? Il doit sûrement être dans sa niche en train de dormir. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire comme lui et tester un jeu vidéo. Et attention, hein, pas un jeu pour les petits chatons, non, non, non. Un jeu pour les mâles, ouais. Ce jeu, c'est 4 simulateurs, et c'est un simulateur, et bah, de la vie d'un chat. Voilà, vous allez pouvoir vous mettre à ma place un petit peu, les chatons. En plus, il est pas trop cher, il coûte 4€, ça vous laisse de quoi acheter des croquettes de qualité. Allez, c'est parti! Alors, le but du jeu, je suis un chaton, et je dois tout casser. Comme quand j'étais petit. Oh non, mais il y a des coussins, mais attendez, mais moi, ça me donne trop envie d'aller dans les coussins, là, de faire une petite sieste. Oh, c'est pas facile, hein, la vie d'un chaton. Et comment il saute? Oh, et mais moi, j'ai galéré avant de sauter comme ça. Alors, oh, attendez, j'ai vu un truc, là. Je vous jure, j'ai vu une souris. Et si je la vois, je vais la déglinguer. Oh, elle est là. Oh, je vais la manger. Oh, oui, oui, hop. C'était trop bon. Et je suis un chasseur, moi, qu'est-ce que vous croyez? Alors, il faut aller... Oh, il n'y en a pas beaucoup de temps, là, il faut tout casser, attendez. Il faut tout faire renverser, voilà, de la table. Ça, c'est un truc que j'affectionne encore, hein. Moi, je le fais encore, des fois. Je fais bim, bim, et puis après, je me cache. Allez, je renverse tout, bim. Oh, mais pourquoi je... What? Attends, je me suis fait victimiser par une bougie, là, on dirait mon maître. Là, ce qu'il y a sur le meuble, ça, c'est bien. Tout ce qu'il y a en hauteur, de toute manière, c'est bien. Si vous voulez faire chier votre... Je sais pas, votre maître ou vos parents, et bah bim, vous allez sur la commode. Ouch. Eh, mais c'est violent comme jeu, en fait. Et vous déglinguez tout. Et après, vous allez dans le lit, puis vous faites le petit mignon. Genre, j'étais en train de dormir, c'est pas moi, tout ça. Ronronner aussi, ça marche bien. Alors, oh, une souris. Oh, putain. Elle bougeait même pas. Elle était trop nulle, cette souris. Et elle est où, la laitière? Y a pas de laitière. Ah, d'accord. Parce qu'un truc qui est vachement cool à faire, et bah, c'est quand tu mets des petits grains de laitière partout dans la maison. Comme ça, après, ton maître, il marche dessus. Ça lui pique les pieds. Oh, j'ai foutu le bordel. Oh, un autre rat. Oh là là, ça va. Oh. Il est venu direct dans ma bouche, comme les croquettes. Allez, là, les livres en hauteur. Bim, c'est dommage que le maître, il dorme pas en dessous, parce que sinon, ça aurait été encore plus drôle. J'ai fait tout tomber sur sa tête. Ouh, la bougie. Moi, j'aime pas trop le feu. Ça fait peur, le feu. Attendez, je vais déglinguer la bougie. Ya, wouhou. J'ai gagné. Ah, j'ai cassé le jeu. Mais il y a d'autres endroits à visiter. Parce que moi, j'aime bien fouiner, je sais pas vous. Moi, par exemple, hier, je suis rentré dans un placard. Et c'était trop cool. Oh, putain, il y a la souris. Ouh, là, là, toi. Eh, bonjour. Tu es ma copine. Allez, on n'est pas obligé d'être... Ah bah... Je l'ai mangé, j'ai même pas fait attention. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi. Et donc je disais, hier je suis rentré dans un placard, c'était trop cool. Vous avez qu'à essayer. C'est vachement sympa, c'est vachement cosy. On se sent en sécurité. Par contre dans le jeu, ils avaient pas les moyens pour faire un toit à la maison. Comment ça se passe? J'ai mangé un rat, j'ai même pas fait exprès. Trop de skin dans ce petit corps tout mignon. Ah voilà, toi, non, toi, viens ici. Non mais on va être copains. Non mais d'où je passe pas sous le... Attends. Eh, mais moi je suis un félin, normalement je peux passer n'importe où. Non mais eh oh. Ça va, je sais que j'ai pris un peu de poids, mais quand même. Genre je suis un gros matou, quoi. Reviens, petite souris, elle a pas confiance. Elle sait que j'ai bouffé toute sa famille. Non mais reviens, on peut être amis. Voilà, moi je m'appelle Iron. Non mais par contre là, si tu à chaque fois tu me fous des vents, je vais te déglinguer. Je vais te... Yeah. Oh non, je me suis loupé. On n'a rien vu. Yeah. Bim. C'est tellement bon, ça. Chez moi, c'est nul, il n'y a pas de souris, en fait. Moi, j'aimerais bien. Des fois, il y a des mouches, mais c'est pas facile de les chasser. Alors, je vais vous donner une technique. Quand vous les chassez, hop, vous prenez un petit peu de hauteur, comme ça, et vous observez. Moi, des fois, je me mets sur la bibliothèque, et quand mon maître y passe, hop, petit coup de patte dans les cheveux. Et puis après, je me barre en courant. Il y a des souris ou pas? Oh, j'en vois une là-bas. Ou un rat, je sais pas. Et si, bim. Oh, il est venu direct dans ma bouche. Ah, ce serait trop bien qu'il y ait des croquettes qui viennent direct dans ma bouche là matin. Non, ça marche pas, non, on peut pas tout avoir. Je crois que les chats, nous, on est tous pareils, hein. On aime tous jeter les trucs par terre. Tout ce qui est en hauteur, hop, au niveau du sol. Comme ça, ça reste à ma portée. Toi aussi, ça te fait ça, tu peux pas t'empêcher de tout mettre par terre. Après, je vous avoue, je comprends pas super bien le principe du jeu. Dans le sens où tout ça, je peux le faire en vrai. Ouais, mais après, j'aurais pu le pâter. Voilà, faut que je trouve une excuse. Ouais, j'ai une idée. J'ai qu'à tout renverser à la maison, puis après, je vomis. Comme ça, il va se dire, oh, il est malade, le petit chaton trop mignon. Je vais pas le disputer. Je vais lui donner de la pâtée. Moi, j'ai plein de techniques comme ça. J'ai une autre technique aussi quand je fais des bêtises. Eh ben, je fais le mignon. Tu sais faire le mignon, toi? Je fais comme ça, je fais... Et je ronronne et tout. Et en plus, à la fin, j'ai toujours des caresses en plus. Attention, regardez, là, je vais faire le saut ultime de la mort. Oh! C'est bon, ça va, vous auriez réussi, vous. Vous avez déjà mangé des mouches? Moi, c'est pas ce que je préfère, honnêtement. Une fois, j'ai mangé une coccinelle, mais elle avait pas beaucoup de goût. Je vais tenter le saut de l'extrême. Je suis sur la petite rambarde, et je vais sauter, genre... Oh, je vois un rat. Bim, direct sur lui. Oh, oui. Pro chaton gamer. Pro chaton gamer. Et si ça continue, je vais ouvrir ma propre chaîne YouTube, hein. Non, mais lui...
D'accord, il est venu se faire bouffer. Lui, c'était un rat suicidaire. On pourrait dire qu'il s'est ramené jusqu'à ma bouche. Non mais parce que j'adore les jeux de mots. Les développeurs du jeu quand même, ils savaient pas assez de sous pour faire le toit de la maison. Moi pour les aider, je veux bien leur donner quelques croquettes, hein. Alors regardez, je suis dans le lit et regardez, je vais arriver sur le bar. De presque, c'est bon. Et oh. Mais pourquoi à chaque fois je me pète la tronche là? Moi je suis un félin agile. Tu me crois pas, tu me crois pas, regarde. Attention le petit rat. Il est où? Oh mais non mais oh. Et mais c'est, je comprends, des fois c'est énervant les jeux vidéo. Allez, double rat, hop, la brochette. Toi tu viens ici. Et toi, tu viens ici. Wouhou. J'ai envie d'aller faire caca moi. Je vais attendre que mon maître il se réveille. On va essayer de casser le jeu. Est-ce que je peux sortir de la map? Ah mais déjà faudrait qu'il veuille bien monter sur la rambarde. Allez, oh, is. Ah d'accord, je me retrouve coincé maintenant. Ah non mais on est vraiment coincé là, en plus il n'y a pas de sortie. Bon vous savez, quand c'est comme ça, je vais vous donner une petite technique. Il faut pas paniquer et puis vous faites. Voilà, jusqu'à ce qu'on vienne vous aider. De toute manière, les maîtres ça sert à ça, à nous donner à manger, à nous faire des caresses et à nous aider de temps en temps. Oh, oh j'ai réussi à arriver sur le bord du jeu. Attention, oui, oui, je suis sorti du jeu. Ouais, alors là, par contre, on a tout cassé. Passe. Plus fort que le jeu, il y a Iron. Bon, en vrai, j'ai déjà essayé de m'enfuir de la maison, mais c'est pas si simple que ça. Non, non, non. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter ici, les chatons. J'espère que vous avez ronronné devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lécher une papate bleue. J'ai dit lécher. Pour chaque papate bleue, j'essaie de négocier une croquette de qualité. Et si tu veux, tu peux partager la vidéo. Là, j'essaierai pour chaque partage de négocier une pâtée. Oh. Envoyez de la bonne petite pâtée. J'essaie de revenir très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas les chatons que si la vie est une gamelle, alors je vous mets la pâtée. Toi là, viens, je te chope tout seul. En 1 contre 1, tu vas faire quoi? Oh putain, il est... Oh, il donne des gros coups lui. Il donne des gros coups. Oh putain, il y a ce copain qui arrive. Je me barre, je... Ouh, non, 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 je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et là, vous avez vu toute ma virilité les geeks. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui... Iron, t'as pas encore marché sur le clavier quand même. Non, genre, on dirait presque qu'il s'est utilisé le PC, quoi. Enfin, le jour où il y arrivera, hein. Ce sera pas demain la veille.